Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Pour l'acteur à l'accent chantant, je suis plutôt languedocien, je parle d'occitan aussi, avec lequel nous sommes longuement entretenus lors du festival de la fiction TV en septembre dernier. La boucle était bouclée après 18 ans de bons et loyaux services. L'âme du Mistral s'enfondait en pleine place, avec une partie de foot avec son arrière-petit-fils. C'est une belle fin pour un acteur, Roland meurt paisiblement, nous confiait-il. D'autant plus, nous disait-elle qu'il avait commencé à prendre des distances de par son âge de 77 ans. J'avais envie de me reposer, je n'ai vraiment pas habité à Marseille, c'est beaucoup de déplacements et de nuits à l'hôtel. Mais quelques mois plus tard, le comédien était retrouvé mort chez lui, dans le sud de la France, par arme à feu. Du fait quand la réalité était plus tragique que la fiction, que s'est-il passé au domicile du comédien? En effet, les gendarmes ont retrouvé une lettre de lui pour expliquer les raisons de sa mort. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.